Bonjour et bienvenue sur Argus.fr. Nous sommes ici avec une vieille connaissance, la Peugeot 504 Coupé. Donc c'est un modèle qui a connu un certain succès puisqu'elle a été produite à 23 000 exemplaires de 1969 à 1983. Donc c'est une voiture qui est très élégante, très chic, due au carrossier et designer Pininfarina. Et pour fêter ses 50 ans, Peugeot a décidé de réaliser un showcar, la Peugeot e-Légende Concept. Au niveau du style, le concept fait un clin d'œil à la Peugeot 504, ça c'est évident, et d'ailleurs c'est très réussi, puisqu'on retrouve des doubles optiques à l'avant, le logo dans la calandre, comme sur l'ancien coupé, et également des boucliers qui sont déportés, hein, comme ce qui se faisait avant, ils sont plus fondus dans la carrosserie. Au niveau des optiques également, ils sont un petit peu biseautés, alors ça pourrait faire penser à la 504 berline, voire également à la 505. C'est certainement de profil que la parenté avec la 504 est le plus flagrant, notamment sur la partie haute, on a des très grandes surfaces vitrées, un pavillon très droit et des montants qui sont vraiment dessinés à la règle. En revanche, sur la partie basse, c'est beaucoup plus moderne, plus sculpté, hein, comme les Peugeot en fait, de la gamme qu'on voit actuellement, avec une facette ici très droite. Encore un clin d'œil, on a ici la petite barrette alors qui était en plastique sur le coupé et ici c'est un petit écran en fait qui a diverses fonctions de communication. À l'arrière on retrouve les feux type griffe, donc vraiment les trois doubles barrettes comme on avait sur la 504. On a également ce bouclier qui est déporté, comme à l'avant. Petit détail intéressant, c'est cette lunette qui est légèrement encastrée à l'intérieur des montants. Et pour terminer, on a cette malle, en fait c'est la chute de malle là, qui est légèrement inclinée, comme vous pouvez retrouver sur les 504 berlines et coupées. À l'intérieur du Peugeot e-Légende Concept, c'est clairement le futur. On n'a plus du tout de clin d'œil avec la Peugeot 504, hormis cette sellerie et surtout cette couleur très 70s, qui est plutôt sympa. Alors à l'intérieur, le cockpit il est réduit à son strict minimum, hein, puisqu'on n'a plus que trois petits écrans ici. Donc c'est un véhicule qui est entièrement électrique, donc qui a une puissance de 340 kW avec deux moteurs, un à l'avant et un à l'arrière. Donc elle est capable d'atteindre les 100 km/h en moins de 4 secondes. Elle est également entièrement autonome, mais lorsqu'on peut la conduire, on a deux modes de conduite dynamique et un plus soft. Et en mode autonome, on a également un mode soft et un mode un peu plus sportif. Donc pour passer du mode autonome, on appuie sur le petit écran tactile qui est situé juste là. Et là, on a le volant qui s'efface entièrement dans la planche de bord. Enfin, si on peut appeler ça une planche de bord. Quand en fait, en réalité, il n'y a plus rien. J'ai juste une barre de son qui fait toute la largeur, plus un grand écran situé juste en dessous qui fait 49 pouces en taille. Donc c'est quand même énorme. On a également des écrans sur les portes. Aussi, on a des petits pare-soleil qui font office d'écran. Donc là, avec ce concept-là, Peugeot, ils veulent faire une voiture entièrement autonome, mais également qui est désirable, donc avec différents modes de conduite, sport ou dynamique. Donc là, c'est vraiment sympa et on est clairement dans le futur. Au-delà du clin d'œil à la 504 coupée, la Peugeot e-Légende Concept est vraiment ancrée dans le futur, notamment dû à sa propulsion qui est 100% électrique, sa conduite totalement autonome et également son intérieur qui est très futuriste. Alors malheureusement, on ne la verra jamais sur la route telle qu'elle. En revanche, on retrouvera certains éléments de style sur les futurs véhicules. Mais vous pourrez venir l'admirer sur le stand Peugeot au Mondial de Paris en octobre prochain. Sur ce, je vous dis à bientôt sur l'argus.fr et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Ciao !